Salut, c'est Mélanie. Je voulais vous parler d'un petit livre, un petit livre conseil pour tous les enfants qui n'ont aucune envie d'aller se coucher le soir. Ça s'appelle Si tu veux pas aller au lit, surtout ne baille pas, écrit par Hélène Boudreau et Serge Bloch aux éditions Circonflexe. Alors oui, ça s'adresse uniquement aux petits, aux enfants qui veulent jamais aller se coucher. C'est un super bouquin parce que ça donne tous les conseils à suivre quand surtout. Quand c'est l'heure d'aller au lit, on veut pas y aller, et ben il faut bien suivre tous ces conseils. Et le premier d'entre tous, ne pas bâiller, ne pas s'étirer, ne pas compter les moutons. Voilà. Non, on est sur un super petit livre, vraiment à lire. Pourquoi pas le soir? Ouais, le soir c'est bien, parce qu'au moins ça va engrainer tous ces petits monstres à les bâiller et à s'endormir très très vite. C'est vraiment du livre qui a été écrit comme un livre de développement personnel, où c'est que du conseil et à chaque page ça dit bien, voilà. Alors, je sais que t'as pas envie, qu'il est tard, que c'est l'heure, que t'as pris ta douche, que t'as tout fait, t'as mangé, t'as tout 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 tout, mais surtout surtout faut pas bâiller. Alors va pas t'étirer, va pas, non, compte pas les moutons, très très mauvaise idée, parce que là hop, tac, direct pyjama, dodo et hop c'est fini. Non, on est vraiment sur un super bouquin. C'est ma collègue de jeunesse qui m'en avait parlé et honnêtement c'est génialissime. Donc voilà, si tu ne veux pas aller au lit, surtout ne baille pas aux éditions Circonflexe.